tu peux nous dire une cafouillette? Oh ouais, une cafouillette. Et laquelle vous aimez bien? Le méchant monsieur. Le méchant monsieur. Alors, chez Cafouniette, il revient de l'école, le maman dit, Cafouniette, monte tes cahiers. Bah, t'as tout grabouillé tes cahiers? Alors Cafouniette, là tu étais sage. Cafouniette, il répond à ce maire. Ben, je suis pas tué avec mes camarades. Et puis j'ai répondu à la maîtresse. T'as répondu à la maîtresse? C'est tous un voyou de père. Maman, mais t'essayes, maman est en colère, hein. Et va filer d'un champ. Et quand papa il va rentrer, il va attraper un torgnol, hein. Et tu sais de quoi, bête, maman, elle ne t'aime plus. Alors, est-ce que ils montent dans la chambre? Ils se mabrèrent. Maman m'a plus qu'air. Maman m'a plus qu'air. Elle, pauvre femme, à la ceinture, tu retournais. Elle but qu'elle porte. Écoutez, monsieur. Maman, elle t'aime plus vraiment, grand-mère. Mais quoi, un petit peu quand même. Je vais te donner 5 francs pour te consoler. Mais tu dois toujours dire oui. Toujours, toujours. Compris, ma fille? Oui! Tu vas obéir à la maîtresse? Oui! Tu vas aider maman à faire les assiettes? Oui! Acheter qu'est chez Caro? Oui! Tu vas aider papa à faire le jardin? Oui! À donner les éplucures à chez Lapin? Oui! Qu'est bon, tchou, maloute! Viens que je te donne une bise. Toujours oui, hein? Cafouniette, il sort dans la rue. Là là là! J'ai 5 francs et je vais m'acheter des carambères et des pétards pour ce mardi gros et je vais toujours dire oui! Il voit le méchant monsieur. Et le méchant monsieur, il lui dit: tu veux une claque? Cafouniette, il dit oui. Pouf! Il colle une baffe. Ch'tio, il rentre à sa maison tout triste. Tu m'avais dit de toujours dire oui. Alors, monsieur, il me dit: tu veux une claque? Alors, mais ben, j'ai dit oui. Mais qu'est-ce qui est bête, ce gamin, alors? Oh, à dire au tout sa père. Bon, maman, elle va te donner 10 francs. Mais à partir d'aujourd'hui. Tu dois toujours dire non. Hein? Quand tu ne sais point, tu dis non, toujours. Tu veux continuer à faire le voyou? Non! Tu veux encore lâcher du brin dans ta chambre? Non! Tu veux continuer à embêter les filles à l'école? Non! Tu veux répondre à la maîtresse? Non! Là, 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 là! Suffit ce que je dis toujours non, c'est pas dur. Avec 10 francs, je vais pouvoir m'acheter un livre de cul. Et le gamin, il sort d'un chevreu. Et il voit qui? Le méchant monsieur. Et le méchant monsieur, il dit: hé, Cafouniette, tu n'as pas eu assez? Non!